Le match retour de Double O Nation face à Ryzen Gaming a eu lieu. Le match qui ne compte que pour la fierté au final parce qu'elle n'a aucun impact sur le seeding des playoffs. Mais ça a donné l'occasion à Double O Nation de tester une nouvelle stratégie, notamment mettre Rickmans, Barnett en 3 et Phenom en 2, voir s'il était capable de supporter eh bien, un BO5. Mais celui surtout qui nous a le plus impressionné, c'est le joueur des Double O Nation qui a réalisé le 100% de victoire dans la phase retour, celui qu'on voit très peu, le joueur de Laura, messieurs, dames, Dr. Goodlag. Il a gagné autant de matchs qu'il aura mis de perfect dans cette compétition. Dr. Goodlag, hein, qui montre qu'il n'est pas non plus là que pour enfiler des perles. Et sur ce set de Laura, il a été impressionnant. Whiff punish du BMK avec le bas moyen pied de Laura. Bonne gestion de la shop. Se retrouve stun et regardez, lorsque vous chargez le Thunderclap, vous pouvez faire avant gros point, launcher. Boum, bolt charge en combo et tout simplement terminer la barre de vie de Karine. Perfect, il en mettra deux dans cette confrontation. Deux perfect, c'est juste hallucinant. Ça fait quoi de voir une Karine se prendre un Laura perfect? Franchement, c'est jouissif. Jouissif, c'est le mot de cette compétition. Parce que oui, on attaque les playoffs, les phases finales, et elles vont l'être jouissives. Ça va être incroyable. Messieurs, rejoignez-nous pour ce bracket final de cette European Street Fighter League 2022.